بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Nous commençons la première leçon du tronc commun, notion d'arithmétique avec le premier exercice dans l'énoncé et le suivant. On pose A est égal à 300, B est égal à 504, décomposer A et B en produit de facteurs premiers, en abrégé. On déduire le PGCD de A et B et le PPMC, c'est-à-dire le plus grand diviseur commun, et le plus petit multiple commun. Quant à la troisième question, on pose grand N est égal le PGCD à la puissance N plus N carré plus N à la puissance le PPMC de A et B. Étudier la parité de N, c'est-à-dire voir si grand N il est pair ou impair, bien sûr avec justification. Et la dernière question, donc calculer A carré, PGCD de A carré et B carré. Donc, on va attaquer la solution. Bien sûr, dans le cours, on a vu comment décomposer en produit de facteurs premiers un entier naturel qui n'est pas premier, bien sûr. Et on a vu que cette opération, autrement dit, cette décomposition en produit de facteurs premiers nous permet de calculer facilement le PGCD et le PPMC de deux entiers naturels. Quant à l'opération qui nous permet cette décomposition, bien sûr, il y a la méthode classique, la méthode des divisions successives respectivement par les nombres premiers. Et il y a aussi une autre méthode, bien sûr, rapide, quand elle est possible, bien sûr. Elle se base sur l'observation, bien sûr, et les règles, bien sûr, de la puissance et de calcul numérique. Donc, on va aborder la première question. Donc, pour la première question, donc on va décomposer A. Donc, par exemple, dans cette question, pour l'entier naturel A, donc je constate que A est égal à 300. Donc, il est facile, bien sûr, d'adopter la deuxième méthode qui se base sur l'observation. Donc, A, je peux l'écrire, c'est 3 fois 100. Qui est égal à 3 fois 10 au carré. Mais attention, il y a quelques erreurs commises par certains élèves. Par exemple, cette écriture, ce n'est pas une décomposition en produit de facteurs premiers. Pour la simple raison, 3 est premier, oui, mais le 10 n'est pas premier. Parce que, on rappelle tout d'abord, donc un nombre entier naturel est dit premier, si et seulement si, il a uniquement deux diviseurs. Alors que 10 a plus que deux diviseurs. Donc il faut continuer, il ne faut pas s'arrêter là. Donc 3, et je vais écrire 10, c'est 2 fois 5, le tout au carré. Et bien sûr, grâce aux propriétés de la puissance, donc on aboutit facilement, c'est 3 fois 2 au carré fois 5 au carré. Donc, de cette façon, on a la décomposition en produit de facteurs premiers de A égale 2 au carré multiplié par 3 multiplié par 5 au carré. Donc voilà, on a adopté cette méthode qui est plus rapide et je conseille vivement, bien sûr, les élèves avant d'attaquer, bien sûr, la méthode classique et les divisions successives par les nombres respectifs premiers, s'il y a une possibilité d'adopter cette méthode qui se base sur, bien sûr, les petits calculs et l'observation, car elle est très rapide. Donc, passons maintenant à la décomposition pour du facteur premier du nombre de l'entier naturel, bien sûr, B. Par exemple, dans ce cas, donc, certains élèves trouvent des difficultés à adopter la première méthode. Alors, dans ce cas, on n'a pas le choix, donc on va adopter la technique des divisions successives respectivement par les nombres premiers. Donc, 504, c'est un nombre premier grâce à son chiffre d'unité qui est pair, donc il est pair, donc il est divisible par 2. Donc, je vais bien sûr, présenter la technique des divisions successives. Donc, puisqu'il est pair, il est divisible par 2. Si on effectue sur la division, bien sûr, donc on va trouver 252, qui est à son tour pair, puisque son chiffre d'unité est pair. Donc, il est divisible aussi par 2. Donc, on va avoir 126. À son tour, il est pair, puisque son chiffre d'unité qui est 6, il est pair, donc il est aussi divisible par 2. Donc, on aura 50 et le 13, donc c'est 63. Ce nombre qu'on a obtenu, bien sûr,
Il est divisible par 3, c'est un multiple de 3. Pourquoi? Parce qu'on a une règle, la somme des chiffres qui est 9, donc c'est un multiple de 3, donc il est divisible par 3. Donc on va le diviser par 3. Donc ça, il nous reste 21 qui est à son tour divisé par 3. Donc 7, c'est 7, il est divisé par 7. Vous regardez dans, à droite de ces divisions, on a divisé, bien sûr, respectivement par les nombres premiers. Donc, on aboutit à la décomposition produit de facteurs premiers de P, donc est égal à 2 au cube multiplié par 3 au carré multiplié par 7. Voilà pour la première question. Maintenant, la deuxième question. Donc, on déduit. Donc, on va en déduire le PGCD, autrement dit, le plus grand diviseur commun, et le PPMC, le plus petit multiple commun de A et B. On a vu une règle, deux règles qui sont très importantes. Donc, je vais faire un rappel bref. Comment déterminer le PGCD à partir des décompositions en produits facteurs premiers de A et B? Tout simplement, il faut repérer. Dans la première étape, il faut repérer les facteurs premiers qui sont communs dans les deux décompositions. Donc, il y a le 2, donc il y a aussi, il y a 3. Donc, voilà les facteurs premiers communs aux deux décompositions de A et B sont le 2 et le 3. Et bien sûr, cette règle dit que le PGCD, c'est le produit de facteurs premiers communs aux deux décompositions précédentes, mais élevé au plus petit exponent. C'est-à-dire, on a 2, c'est un nombre premier, donc son exposant dans cette décomposition est 2, la 3, donc A. Donc, le PGCD est égal à 2, qu'on va élever au plus petit. Quel est le plus petit des exposants de 3? Bien sûr, c'est 2. Donc, on va la même chose pour 3. Là, on a l'exposant 1, et là, on a l'exposant, bien sûr, 2, donc le plus petit c'est 3. Donc le plus petit des exposants, c'est le 1, donc fois 1, et 2 au carré multiplié par 3, c'est 12. Donc voilà, donc en adoptant cette règle, bien sûr, on a pu calculer le PGCD facilement. Maintenant, on va attaquer le PPMC. Le PPMC, c'est-à-dire AVB en notation, AVB. Mais là, attention, donc, à quoi est égal AVB? Autrement dit, le PPMC, c'est le produit des facteurs premiers élevés au plus grand exposant, c'est-à-dire contrairement au PGCD, et on ne s'arrête pas là, mais on le multiplie aussi par les facteurs premiers non communs aux deux décompositions précédentes. Donc, commençons par les facteurs premiers, bien sûr, communs. Donc 2, mais je vais l'élever, bien sûr, au plus grand exposant. Donc 3, multiplié aussi par 3, élevé au plus grand exposant, c'est-à-dire 2. Et on multiplie aussi par les facteurs premiers non communs. Donc il y a 5 au carré, il y a aussi, bien sûr, 7. Donc fois 7, fois 5 au carré. Donc on aboutit, donc on trouve que AVB est égal. Donc, un petit calcul, bien sûr, ça nous donne 12 600. 12 600. Si je ne me suis pas trompé. 12 600. Voilà. Maintenant, on va passer à la... va aborder la troisième question. Donc, on nous propose un grand entier naturel grand N. Bien sûr, on va étudier la parité de chacun de ces composants, donc AB. Donc maintenant, j'ai une nouvelle expression de grand N, puisqu'on a calculé, donc à quoi est égal 12 à la puissance N, plus N carré, plus N, le tout à la puissance 12 600. Donc, on va étudier la parité de ce nombre. On a 12, il est pair. Donc, 12 à la puissance n est pair. Pourquoi? Donc, on a vu dans le cours une règle. Le produit d'entiers naturels dont l'un est pair est toujours pair, bien sûr. Donc, 12 à la puissance n, 12 est pair. Qu'est-ce que ça veut dire 12 à la puissance n? Ce n'est rien d'autre que 12 multiplié par lui-même. Combien de fois? N fois. Donc, c'est un produit d'entiers naturels pair. Par suite, il est pair.
Pour n carré plus n, on constate que si on factorise par n, c'est n plus 1. Donc, c'est le produit de deux entiers naturels consécutifs ou bien successifs. Comme on a vu dans le cours, il est toujours pair. Donc, puisque la base est paire, bien sûr, donc, n carré plus n, exposant 12600 est aussi pair. D'après la règle que je viens de citer, eh bien, pour le moment. Donc, j'ai d'une part 12 à la puissance n qui est paire, et n carré plus n à la puissance 12600 paire, et on a vu dans le cours, la somme de deux entiers naturels paires est toujours paire. D'une manière générale, la somme d'entiers naturels paires est toujours paire, donc par conséquent, donc n est paire. Donc, grand N est paire, comme étant somme, somme de deux entiers paires. Donc voilà, on a terminé la question numéro 3. Maintenant, il nous reste la question numéro 4. Passons maintenant à la dernière question 4. Donc, on nous propose de calculer le PGCD de A carré B carré. Bien sûr, plusieurs élèves, ils vont adopter, bien sûr, une méthode qui est juste, certes, c'est-à-dire il est vrai, mais malheureusement, il est trop long. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont calculer A carré en utilisant bien sûr la calculatrice 300 au carré et puis B carré. Et ils commencent bien sûr la décomposition à nouveau de A carré B carré en produit de facteurs premiers. Donc, c'est une méthode juste, mais malheureusement, il est trop long. Surtout si, bien sûr, on se trouve dans le DS, c'est-à-dire le devoir surveillé. Donc, bien sûr, on va consacrer beaucoup de temps à cette méthode. Non, donc on peut en déduire bien sûr le PGCD sans passer par cette méthode. Donc on a déjà la décomposition de AB et en utilisant bien sûr les règles de la puissance qu'on a vues dès bien sûr le collège. Donc on aboutit facilement à décomposer A carré B carré et bien sûr on va en déduire facilement le PGCD. Donc c'est ce qu'on va faire. Donc A au carré, d'après les questions précédentes, égale 2 au carré multiplié par 3, multiplié par 5 au carré multiplié au carré. B carré est égal 2 au cube multiplié fois 7 multiplié au carré. Donc, grâce aux propriétés, bien sûr, des puissances. Donc, on a A au carré, égale 2 à la puissance 4, multiplié par 3 au carré, multiplié par 5 à la puissance 4. Et B carré, égale 2 au cube au carré, c'est-à-dire 2 à la puissance 6, multiplié par 3 à la puissance 4, multiplié par 7 au carré. Donc, le PGCD, donc, on va bien sûr repérer les facteurs premiers qui sont communs, donc, 2 et le 3. Donc, et on va l'élever, bien sûr, au plus petit exposant. Donc, A carré, PGCD B carré, égale 2. Le plus petit des exposants 4 et 6, bien sûr, c'est 4. Le plus petit exposant de 2 et 4, bien sûr, c'est le 2, donc 3 au carré. Donc, ça nous donne, bien sûr, donc, 144, si je ne me trompe pas. Donc, 144. Donc voilà, on a terminé ce premier exercice. Soyez au rendez-vous pour l'exercice numéro 2. Et n'oubliez pas, s'il vous plaît, de s'abonner à la chaîne et de partager ces vidéos. Jazakum Allah khayran. Bi'allah tahrimuna min salih da'watikum lana wa liwalidina. Bi'tawfiq, inshallah, nastawdi'ukum Allah alladhi la tadhi'u wadai'u.